Instrumental, Hideaway, enregistré au début des années 60-61. La petite histoire raconte qu'il avait piqué le thème à Doc Taylor, qui le jouait aussi à l'introduction de ses concerts. Et Doc Taylor l'enregistrera plus tard sur le label Alligator. Je crois que c'est à la fin des années 70. Il a fait 3 albums, je crois, avec le label Alligator, dont un live. Et on peut retrouver ce thème-là. Chez le thème original chez Doc Taylor, mais bon, la version qui a cartonné, c'est celle de Freddie King. Donc au début des années 60, ça sera repris en 66, je crois, oui, 66, avec John Mayall et les Blues Breakers. Donc la version de Clapton qui reprendra avec une version avec un son un peu plus d'overdrive ou de ouais, la guitare plus poussée, quoi, dans l'overdrive. Que Freddie King, là j'ai utilisé le son clair, un peu de compression et de la reverb, c'est tout. Je poussais un peu l'appli pour avoir un léger crunch, alors que Freddie King, lui, sur scène, il utilisait du crunch, mais à studio, le son était assez bien clair quand même. Voilà, et surtout, ce qui est intéressant avec Freddie King, c'est qu'il avait gardé, comme les vieux guitaristes du Delta, le jeu en hybride picking, c'est-à-dire qu'il jouait avec le pouce, ou je ne sais pas s'il avait un onglet au pouce, et ses deux doigts. Donc ça permettait ce jeu en hybride picking. Ça fait que les joueurs de country music et les chicken pickers ont repris ce standard parce qu'il permet de s'adapter bien au jeu en chicken picking ou hybride picking, comme vous voulez. Et voilà, il est très 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 agréable à jouer. Donc j'ai essayé de coller au maximum à la version de Freddie King, sauf le petit turnaround de fin où j'ai fait le turnaround de Clapton. Mais je montrerai les deux. Voilà. Donc on va faire la grille d'accord, c'est une grille standard, 4 mesures en mi, 2 mesures en la, on revient en mi, 2 mesures en la, 6, 7, 6, une mesure en la,
une mesure en mi, et on finit ainsi. Donc, grille standard 12 mesures. Ce qui est original, c'est que Freddie King va se servir pour le thème 1, ou un octélor, d'une gamme majeure. En général, les bluesmen jouent sur des accords majeurs, utilisent des pentatoniques, la pentatonique mineure. Là, il va utiliser la penta majeure. Alors, la penta majeure, hein, on est en mi, je veux la faire en mi. Si vous voulez vous la mettre en l'oreille, c'est le riff de My Girl, des Temptations. Ça, c'est la penta majeure de mi. La tonique, la seconde, la tierce, la quinte, donc on a bien l'accord majeur. Je reprends, tonique, seconde, tierce, quinte, la sixte, et 1, 2, 3, 4, 5, et on repart sur la tonique. Voilà, donc je vais jouer le thème en entier. Toutes les variations vont s'orienter autour de ce thème. Alors après, il y a deux petits riffs. Alors, ils sont pas très durs. Quatrième corde à vide et case 2. À vide, case 2. Corde de mi à vide, on rejoue la corde de mi et on fait le hammer case 3, case 4 hein, sur la grosse corde, sur la corde de mi grave. Cinquième corde, 2, 5, 2, 4, 2. Et après on conjugue ce riff à la et ainsi de suite, c'est pas très, très, très compliqué. Le second riff, il fait toujours avec la pulsation dernière. Hein. Faire attention que là il y a un triolet. Hein. Et on le reconjugue aussi, sauf à la fin où il fait. Ensuite, le break. Alors ça, c'est l'accord mi 7 9. C'est l'accord qu'on retrouve beaucoup dans le rockabilly. Alors, sur quatre cordes, les notes, quatrième corde, case 12, dessous, case 11, dessous, case 9, et on revient avec le petit doigt sur la corde de mi, la case 12. 12, 11, 9, 12. Si on regarde à mi, là on a la septième, donc mi 7, là on a la seconde, mi fa dièse. Donc c'est la neuvième, donc mi, 7, 9, là on a la tierce de l'accord, et là on a la tonique, la route note, comme disent nos amis américains, mi, 7, 9, on retrouve beaucoup cet accord dans le rockabilly, alors il va le faire deux fois, et puis il va partir en sixte, médiator, plus doigt. Alors on peut jouer le premier coup sur l'accord, ou le faire directement un sixte sur la troisième corde et la première corde hein, avec médiator et ce doigt.
Et ensuite les sixtes. Donc, troisième corde, première corde, 9-9. 7-7. Et après, il va faire. Je refais. Et alors là, il va y avoir un passage assez spécial où de la pulsation ternaire, on va passer à la pulsation binaire. C'est-à-dire qu'au lieu de garder cette pulsation, on va avoir cette pulsation. Passer du binaire, du ternaire au binaire, et puis on va revenir au ternaire. Donc le troisième riff va être binaire. Les Rolling Stones feront ça dans Midnight Rambler. Binaire, ternaire, binaire, ternaire. Les Faces, dans Stay With Me, je crois, il y a un passage comme ça. Les groupes anglais s'en souviendront. Le riff, binaire, hein. Palmute. Au lieu de faire. Là, on fait. Donc, c'est 0, 0, 2, 0. 3, 0, 5, 4 et on repart. 0, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 4, 0. Sur la corde de là. Sur le si, il va rester ici. Binaire. Là. Et ça repart ternaire sur le thème. Alors le phrasé de fin. Jusqu'à là c'est pareil que ce qu'on a fait. Et là, alors, deuxième corde. Hammer, case 2. Et mi aigu, ça va le faire deux fois. On glisse à la case 4. A vide, mi à vide. Pull off, case 2 à vide. Et case 2, corde 2. Alors je vous montre, je refais lentement. Et là, alors je vous conseille de jouer la corde de mi aigu comme fait Freddie King avec le doigt pour garder ce son bien claquant. Case 3, case 2 à vide. Corde 2, case 2. De nouveau sur la corde, la première corde avec le doigt. Je refais. Le mi aigu. Je le rejoins entier. Je refais de nouveau le phrasé de FM. Il a les deux accords pour finir. Moi, je pense que Freddie King il fait ça. Donc, mi bémol, mi. Mi bémol. Petite corde, case 3. Seconde corde, case 4. Et première corde, case 4. Et seconde corde, case 5. C'est le renversement du mi avec la position de ré majeur. Hein. Ré. Mi bémol. Mi. Alors, moi, j'ai rajouté. J'ai rajouté la sixte. Ça fait case 3, case 4 et case 5. Et là, case 4, case 5 et case 6. Alors je le refais en entier. Je vous dis au revoir, à bientôt.